Il faut dire skier, c'est quand même plus sympa avec la fibre. Ah merde, c'est vrai. Et voilà, nous sommes réunis pour une nouvelle séance de correction de copie de 6e. C'est un peu la surprise, d'habitude c'est un peu plus tard, mais aujourd'hui, vu que j'ai beaucoup de paquets de copies, je vais faire les 6e 2 parce que je suis professeur principal de 6e 2, donc je vais faire eux en premier. Toujours avec mon côté droite-gauche, ou gauche-droite, je ne sais pas comment ça se gère. Donc voilà, et peut-être qu'au milieu du live, j'irai sur Twitch pour montrer. Et j'ai pas cherché comment on fait un live Twitch et YouTube. Alors voyons voir. Faire un live Twitch et YouTube. Là, faire les deux. Ah, il faut un truc de multistream. Ça y est, nous sommes 1 puis 2. Bonjour. Ben voilà, donc premier spectateur, on va commencer à faire ça. Il faut un compte, on va sur le site. Oh, 7, si vous tenez. Voilà. Alors, je ne vais pas faire les 6e en même temps, je suis désolé. Gastro-critique, j'aime beaucoup le surnom. Bonjour. Non, j'ai pas répondu parce que je fais deux choses à la fois. Ah là là. Bonjour, bonjour. Gastro-critique, il porte bien son nom. Alors, voyons voir. Tac, tac. Alors, je vais juste quitter un instant. Ou j'essaierai la prochaine fois. Non, j'essaierai la prochaine fois. C'est pas grave.
Bien, alors bonjour à toutes et tous. Donc, on va se retrouver pour la correction des 6e 2. Les 6e 1, je ferai ça dimanche, sûrement, parce que samedi, ou samedi peut-être, je ne sais pas. Activez la cloche! Ah, je suis trop fort. Et bim, une pub. Alors, donc c'est cette copie que je vais corriger, cette interro que je vais corriger. On va donc commencer par cette première copie. Parce qu'à un moment, il faut bien commencer par quelque chose. Combien j'ai de temps de un petit temps de réaction. Alors vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite. Hein. Alors donner la définition, ce sont des microbes. Alors c'est pas une définition, je suis désolé. Donc que 2 points sur 4, 2 critères selon lesquels les êtres humains peuvent se nourrir. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire plus près? Sans que ça me tombe dessus quand même. Pas facile. Voyons voir si on peut faire plus près. Ah, d'accord. Est-ce qu'on va arriver à quelque chose? Ah, je me bats avec ma caméra. C'est ça de pas être chez soi et de pas pouvoir voir son setup. Non, ben, je ferais pas mieux alors. Je ferais pas mieux que ça. Tant pis. Désolé. Voilà, bon, on verra les copies d'un peu loin. Ah là là. Non, je ne suis pas au collège, je suis dans une maison qui a la fibre. Ça me permet de corriger sans que ça saccade parce que passé un temps, je lançais des lives et puis plus personne ne pouvait rien voir. C'était insupportable et j'ai dit que c'était comme ça, j'arrêtais. Bien. Mais c'est pas grave, ceux qui n'ont pas fait le contrôle, ils auront leur rattrapé. Alors, les 2 critères sont les protéines et les glucides, c'est pas ça du tout. Indiquer différents animaux, végétal et la nourriture transformée. Non, c'est la nourriture d'origine minérale. Donc là, c'est que la partie leçon. Et il n'y a rien d'autre sur la partie leçon. Donc on peut compter les points de la partie leçon. Donc il y a 4 points en partie leçon. En partie présentation, il y a 1 point sur 1. Alors, à l'aide des documents ci-dessus, pourquoi il a copié la question? Le diabète est lié et le diabète de type 2 parce que le corps devient incapable d'utiliser l'insuline pour contrôler. Alors. C'est la bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne explication. Donc, que la moitié des points, parce qu'il y a une explication. Pour éviter ces nuits, il faut avoir une perte de poids et une alimentation équilibrée. Ça, c'est très bien. Alors, l'hypothèse, attention quand vous copiez de ne pas faire de faute. On utilise végétaux, je pense que ça fait pousser, ça va pousser plus vite et qu'il y aura moins de microbes. C'est exact. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit, c'est qu'il y a moins de parasites. Donc, 3 points. Paragraphe argumenté, il ne faut pas recongeler un aliment congelé parce qu'il se multiplie par deux. Qui ça, il? Parce que ça, qui c'est ça? Intoxication alimentaire, la moitié des points. Expliquer comment il reste constant parce que l'aliment est totalement congelé. Mais ça n'explique pas. Alors, l'idée est bonne. Donc, 1, alors 3, 6, 7, 8, 8, 9. 10. C'est pas mal, ça nous fait du 15 sur 40. Le cours est à revoir, bien évidemment. Ah, ça c'est une élève qui a des difficultés scolaires et donc c'est dommage quand même les ratures. Hein. Ça fait peu soigneux, il faut pas être stressé comme ça. En fait, elle est très 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 stressée. Vous voyez, elle se sent toute seule devant son bureau. Être vivant microscopique, très bien, ça elle l'a pas fait. La viande, non. Elle a confondu. Elle a confondu les micro-ondes pour avoir de l'énergie. Alors, c'est en partie juste. Et ça, c'est tout juste. Alors, 4 et 4, 8, ça nous fait 8 sur 20.
Alors, c'est la 2, mais il faut dire pourquoi, puisque dans la question, il y a bien écrit qu'il faut expliquer. On peut éviter ce diabète si on ne mange pas beaucoup de sucre, c'est exact. Il ne faut pas reconnaître la nourriture car la nourriture va se pourrir. Et alors, même chose pour le tableau, vu qu'elle n'arrivait pas à faire le tableau, même si elle a fait les cases. Hein. Ah là là. Alors, et pour qu'elle le trouve, les points positifs et négatifs, elle a donc trouvé un point négatif. Je vais y mettre un point. 1, 2, 3, 4 et demi. Je pense que la prochaine fois, je vais le préparer en même temps qu'elle pour qu'elle stresse moins. Parce qu'elle stresse tellement que finalement, elle n'arrive pas à faire son travail. C'est dommage. Alors, être vivant microscopique, très bien. Les deux critères sont très bien. Fabriquer, réparer le corps, les calciums, si on consomme, stocke le surplus. Alors, par contre, il faut faire une phrase. Donc, je vais compter un demi-point de moins parce qu'elle n'a pas fait une phrase. Et là, pareil, je vais compter un demi-point de moins parce qu'elle n'a pas fait une phrase. Et la question 4. Dommage. 8, 10, 11, ça nous fait 16 sur 20. Très bien. Et encore, elle a une question qu'elle n'a pas faite. Ah oui, la présentation, on va mettre le point. Hein. Alors, je vois sur le document 2, on nous dit que le diabète peut être en rapport avec la nourriture. On nous dit aussi que c'est en rapport avec le mode de vie, la quantité de sucre. Alors, du coup, elle ne m'a pas dit quel diabète. Donc, je vais y compter que 2 points, mais elle a donné les bonnes explications. Avoir une bonne hygiène de vie, très bien. Le tableau, avec le titre du tableau, les avantages, excellent. Ça, c'est très bien. Alors, la culture hydroponique est très utilisée dans une zone sol très polluée. Exact, c'est une bonne raison. Question 10, elle ne l'a pas faite, c'est dommage. Quand un aliment est congelé, les bactéries se stockent mais ne disparaissent pas. Ils augmentent. Alors, le problème, c'est que c'est confus. Elle a tout mélangé. Un point de... Alors, 4, 8. Alors, 4, 8, 10, 11, 12 et demi en partie le son. Ça nous fait 28, 29 et demi. Bon travail. Et en plus, il faut voir qu'il y a des questions qu'elle n'a pas faites. Si elle avait fait toutes les questions, elle aurait peut-être eu encore plus. Ouais, enfin, chanceux d'attraper une maladie. Je ne sais pas si on peut dire chanceux d'attraper une maladie. Hein. Alors, voyons voir. Ah, et la marge, il n'a pas fait la marge. Donc, présentation. Ce moment, le foot, ça les rend tous fous, mes élèves, en ce moment. Alors, c'est des bactéries quand on ne se lave pas les mains. Non, c'est pas ça. Combien j'ai mis au premier? Parce que j'ai mis des points, il me semble. Alors lui, il m'a pas dit de microbes, il a dit que bactéries. Donc, les humains doivent se nourrir de 5 fruits, c'est pas la question. La nourriture sert à te donner, à tuer les micro-organismes, non, et à aider ton corps à se former, oui. Donc ça, c'est 4 points. Il faut un point à la fin. Certains micro-organismes pour faire travailler le corps, pas du tout. Les différentes origines sont les fruits, les légumes, les trucs, non. Alors on voit que la cour n'a pas été trop appris quand même. Hein. Je vois que c'est dommage parce qu'on l'avait préparé en classe aussi. Je croyais que l'alcool c'était haram, pourquoi t'étais bourré? Et la présentation 0 sur 1. Le diabète qui est la nourriture est celui du type 1 quand on mange beaucoup d'autres sucres. C'est pas ce qui est écrit sur le document. Pour éviter ces il faut bouger, sortir, faire du sport. Exact, très bien. Ah, c'est tout? Et question 8, 9, 10 et 11? Bon, c'est dommage. Je pense qu'il n'y a pas eu énormément de travail. Oula! Ça, c'est de la copie colorée, ça. Un élève qui avait fini un quart d'heure après le début du contrôle et qui a dit j'ai tout fait. Ben ouais, il a tout colorié. Pourquoi c'est pas net?
copie une étoile, ouais, c'est ça. Ah, j'aime beaucoup. Pourquoi ce n'est pas net? Voilà. Ah, du mal à faire la netteté aujourd'hui. On va profiter de cette copie colorée pour faire la netteté. Voilà. Ah, ça y est. Bon. Ce serait dommage de ne pas voir le abonnez-vous. Oh, avec des fautes de partout. Oh, y a vache. Abonné ou abonné avec un R, ça dépend si on veut. Et ça, je sais pas. Et là, je crois qu'il s'est trompé dans le drapeau. C'est drôle. Oh, la gorge en sang, ça s'écrit pas comme ça. Alors, micro-organisme, c'est pas ça. Les deux critères sont la quantité et la qualité. La quantité et la structure de quoi? Faut faire des phrases complètes. Les trois utilités sont animales et végétales? Pas du tout, c'est pas ça la question. Certains micro-organismes sont dits utiles car ils peuvent aider afin de conserver les aliments plus longtemps. Très bien. 3 points, c'est sur 3 ça. Ouais. Et enfin, la question 7, il n'a pas faite. D'accord. Donc, il n'a pas faite. Ça fait 6 sur 20. Alors, la présentation, 1 point. Il a fait de gros efforts, c'est bien. Car à partir du moment où le corps est en surpoids, un manque d'activité, alors c'est juste, mais c'est mal expliqué. Il faut expliquer à partir du document. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vu dans le document qui permet de répondre? Alors, je montre la question quand même. Il y a écrit, c'est écrit là, à l'aide du document ci-dessus, expliquer en citant le document. C'est dommage, il ne me cite pas le document. En sortant régulièrement, en mangeant sucré et salé, alors il n'y a pas les phrases, mais j'y compte quand même, avantage, moins cher, maladie, alors là c'est trop court. Le titre, il n'a pas ajouté, il manque rien, là il n'y a rien. Je pense que quand la phrase périme plus vite au soleil, ce n'est pas... Je rappelle que périme, ça veut dire que les fruits pourrissent. Et donc, c'est pas un avantage. À mon avis, l'aliment est congelé, donc il est protégé des bactéries. C'est pas du tout ça, au contraire. Oh là là, il n'a pas lu le document. Ouais, on s'en fout des fautes, je corrige des copies, on s'en fout pas, tu vois. 2, 4, 5 et demi. Ça fait 12,5 sur 40. Dommage, il n'a pas eu une note à la hauteur de sa présentation. Alors, ah, présentation petite fleur. Je plie bien pour pas qu'on voit le nom. Voilà. Ah, elle a mis le... C'est bien, après avoir plié, elle a mis la date. Alors, définition, être vivant microscopique, tel que les bactéries, excellent, les deux critères pour être en bonne santé. Le type de nourriture et la quantité de nourriture. Très bien. 4 points aussi. Quelles sont les 3 utilités énergie pour le corps? Réparer, vitamine D. Oh, mais je vois qu'elle a fait des recherches. Allez, 1 point de bonus. La présentation, 1 point, bien évidemment. Expliquer pourquoi on peut dire qu'on lui permet de lutter contre les maladies et les infections. Pas tous. En classe, l'exemple qu'on avait vu, c'était de conserver les aliments. Animal comme la viande, minéral. Très bien. Oh, bon. 4, 8, 18, 19. Ah bah, ça, c'est une élève qui a bien préparé son contrôle. Déjà, elle a déjà la moyenne. Alors, le diabète de type 2, le sucre s'accumule, devient incapable. Excellent, 3 points. Elle a cité le document. Avoir une bonne hygiène de vie. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Alors, ça nous fait 25 sur 40. Il faut apprendre à travailler plus vite. Et c'est très bien dans l'ensemble. Je regarde si je trouve ta copie, je te la fais passer si tu veux. Ouais. Alors, voyons voir ça. Deuxième copie, très jolie aussi. Alors, fais... rien, c'est la chaise qui est tombée. Alors, présentation, 1 point. Ah ouais, on va voir, micro-organismes, être vivant, bactéries,
4 points. Les deux critères sont nourrir sa quantité et de sa... Oh là là, la qualité de la nourriture et sa quantité. Excellent, ça mérite un plus 1, tellement il a refait la phrase. Utilité, produit d'énergie fabriqué et stocké dans le foie. 6 points, on peut dire que ça sont utiles quand ça servait pour conserver la nourriture. Excellent. Les différentes formes, animales, végétales, fruits secs. Excellent. Et il a cité le cours, ça nous fait 21 sur 20 en partie leçon. Bonjour Thomas. Ah tiens, mon premier... Je suis désolé pour la chaise, oui. C'est... mon premier admin. C'est le diabète car il est cité dans le document. Très bien, quand on est en surpoids et qu'on manque d'activité. Excellent. Ça, c'est très bien. Il a bien cité le document, il a bien répondu à la question. On peut facilement éviter en prenant du poids et en activité. Très bien. Alors, attention, quand on fait un truc, on évite ça et on trace normalement le tableau au crayon. Mais comme tout est juste, ça pourrait permettre de perdre des points. Disons qu'il n'aura pas le bonus de plus 1. Je pense qu'on utilise la culture pour les fraises car les petites arbustes et les framboisiers prennent plus de place que des petites plantes. Ouais, c'est pas mal. En période 3, les bactéries restent constantes car comme l'aliment est mis, les bactéries se bloquent. Alors non, les bactéries se bloquent pas. C'est la reproduction des bactéries qui est bloquée. Donc on va enlever un demi-point pour cette petite erreur de formulation. Sur le graphique ici, je vois l'aliment est recongelé puis décongelé. Les bactéries prolifèrent très bien, très très rapidement. J'en conclus que si des bactéries sont dangereuses, elles vont se multiplier beaucoup trop et vont pouvoir causer une maladie si la personne qui mange l'aliment. Alors il manque juste en quoi le fait de congeler, décongeler peut poser souci, mais sinon c'est très bien. Alors ça nous fait 6, alors 8, 10, 13, 13, 16, 18 et demi. Oh, merci présentation. Ça nous fait 40 et demi sur 40. Hop. Ah, mais il n'a pas écrit ce qu'il voulait comme... ce qu'il voulait comme carrelage. Oui, parce que je rappelle que mes élèves, quand ils arrivent à 40 sur 40, ils ont droit à un carrelage gravé comme je le montre dans... Ah ouais, c'est nickel cet éval. Ah, voilà, elle, Itachi Uchiwa Sharingan, on va voir. Alors, maître vivant microscopique tel que les champignons et les levures, excellent. Le type de nourriture, sa quantité, la qualité de la nourriture, très bien. Les trois utilités sont fabriquer son énergie. Le glucose sert pour le fonctionnement du cerveau, très bien. Ça, je ne sais pas si c'est mis. Le calcium pour les os, à fabriquer des réserves, très très bien. Alors, je crois que c'était un garçon, le coup d'avant. Oui, parce que quand on écrit bien, on n'a pas l'habitude de dire que c'est un garçon. Il semble que c'était un garçon. Certains micro-organismes sont utiles à l'homme pour la conservation. Par exemple, l'œuf formé à la suite de l'action d'une bactérie. Très bien. Mais c'est excellent. 3 points et plus 1 de recherche, puisque je vois qu'elle a cherché. Alors, les différentes origines sont la viande, le poisson, le truc et 3 points, ce qui nous fait encore une copie à 21 sur 40. Il met pas mal, non? C'est pas mal comme appréciation. Ah, pas mal, ça vaut ça. Non, c'est Delia, il n'y a pas écrit Amjad. Ta copie est passée déjà, Amjad. D'après le document, le diabète qui est lié à la nourriture, le diabète de type 2, car... Vous voyez comment on fait la réponse? Je reprends la question. D'après le document, le diabète qui est lié à la nourriture, le diabète de type 2, car... Et ensuite, je mets la réponse. On ne commence pas la phrase par car. D'après le texte, le mode de vie de la personne joue un grand rôle. Allez, ça mérite un bonus. Alors, on n'a qu'un bonus par partie. Là, elle l'a déjà eu. On peut facilement éviter cette perte de poids, alimentation équilibrée. On peut facilement éviter le diabète. Très bien. Ça, j'arrive pas à lire. Là. Oh là là, vraiment. Regardez comment elle a écrit. C'est dommage. Voilà. Vous avez vu comment on repère vite les copies qui méritent un 40 sur 40? Hein, ça se voit vite quand même. Hein. Donc quand je vous dis de soigner votre présentation parce que ça permet d'être dans de bonnes dispositions, n'hésitez pas à le faire. Ben, ce n'est pas la copie de Soso.
Alors, je pense qu'on utilise la culture hydroponique pour les tomates et les fraises, car d'après le document, ça les rendrait moins sensibles aux maladies, avec un S. Et s'il y a de grosses sécheresses ou une pollution de la terre, eh ben, elle a mis plusieurs hypothèses carrément de peur de manquer. C'est très bien, elle a déjà eu le bonus. Donc, d'après le graphique, elle est congelée. Sur le graphique, on remarque que le nombre de bactéries reste constant. D'après le texte, la congélation ne tue pas les micro-organismes, elle les bloque, entre guillemets. C'est donc pour ça qu'en période, le nombre reste constant, mais c'était excellentissime en fait. Je mettrais bien encore un point de plus, mais elle a déjà eu son bonus, ça ferait beaucoup. Ouais, mais ça les mérite. Allez. Et là, 1 sur 5, voilà, bien fait. Elle est déjà passée, je crois, ta copie, Buglem. Il me semble. Il me semble. Et en plus que la moyenne, hein. Bon travail, excellent travail. Tiens, je voulais te féliciter. Excellent travail pour la partie cours. Tu savais très 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 bien ton cours. Allez, je finis celle-là quand même. Parce que Soso, elle attend sa copie. D'après le graphique, en période 4, on remet l'aliment à décongeler. Sur le graphique, on voit une forte augmentation du nombre de bactéries avec un S. Hein. Donc si on mange l'aliment, on a de gros risques d'intoxication alimentaire quand même, passe à 5 millions en 20 minutes. On mange, on peut tomber malade, avoir une intoxication. Donc c'est pour ça qu'il est dangereux de recongeler, puis de le décongeler. Ah, il manque un petit quelque chose. De dire qu'effectivement, comme la congélation ne tue pas les bactéries, c'est pour ça que c'est dangereux et qu'on déconseille de recongeler un aliment qui a déjà été de recongeler un aliment qui a déjà été décongelé. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, 8. 8. 8, 8 et 8, 16, 16, 21. Alors, 8, 8, 10, 13, 13, 16, 20, 21. Évidemment, le point de présentation, 42, 43. Bon, bah, il faudra me dire ce que tu veux comme cadeau, Soltana. Est-ce que tu veux un Sharingan? Est-ce que tu veux une image d'Itachi Uchiwa? Est-ce que tu veux en train de se faire démonter par Naruto? Parce que finalement, il n'a pas le niveau, on est d'accord. Alors, voyons voir celui-là. Ah, d'après vous, il aura 40 sur 40 ou pas celui-là? Je vous montre la copie rapidement. Vous voyez, tac, tac. Est-ce que vraiment... Ah oui, c'est la copie. Ah ouais, non, mais... Mais il faut... si elle est encore là, il faudrait qu'elle nous dise combien de temps elle a travaillé pour arriver à cette copie. Parce que les autres élèves pensent que... Les autres élèves pensent que les bons résultats, ils viennent comme ça par magie. Moi, j'ai plein d'élèves qui me disent, non, mais elle, elle a de bonnes notes, c'est parce que c'est une bonne élève. Non, c'est pas de la magie, tu vois. Et il faudrait que si un jour elle ose, combien de... Itachi, tu voudrais? En sang à moitié assommé, dans les bras de... Voilà, on va voir. Non, voilà, tiens, Soso Chab, combien de temps tu as travaillé ton contrôle? Et me dis pas 10 minutes, hein, parce que les autres ne se rendent pas compte, en fait. J'ai montré ta copie. Elle est là, ta copie. Je l'ai montré, voilà. Elle est là, ta copie. Tiens, tu veux ta note? Voilà, tu as même ta note. Voilà. Et même tu as ta note ici, tu vois. Voilà. Hop, voilà. De rien. Hein? Alors, combien on est là actuellement? Oh, 10, c'est pas mal, 10. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait 10. Alors, micro-organisme, c'est une bactérie? Non. Comme les virus? Oh là là, non, c'est pas ça la définition. Pour avoir de l'énergie et être en bonne forme, c'est hors sujet, c'est pas la question. L'énergie, santé, bonne forme. La phrase, ouais, c'est pas terrible. Ah, bonjour Lana. Ouais, les majuscules, ça hurle un peu. Certains sont bons pour le corps, ça donne de l'énergie. Non, c'est pas ça. Ah, Lina, ta copie est déjà passée. Il y a des aliments animaux, naturels, laitiers. Non. Alors, 5, 6. On va y compter le point de présentation, puisqu'il n'y a pas de rature, il a fait la marge. 7,
C'est le diabète de type 2, il y avait écrit qu'il faut expliquer. Et il n'a pas expliqué. On peut éviter avec une perte de poids, activité physique, ça c'est juste. Inconvénient. Et là, le titre, il est où le titre du tableau? Et les cases? Elles sont où les cases? Elles vont moins vite. L'eau engendrée n'a pas la même saveur. Alors, n'ont pas la même saveur. Elles vont moins vite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Consomme de l'énergie. Cultures sont moins sensibles aux maladies. Elles coûtent moins cher. Prennent moins de place. 2,5 sur 4. Alors oui, si on le fait recongeler, le mot exact, si on le fait bouillir avant, je montre ta copie, je finis celle-là. Si on le fait bouillir avant de le recongeler, ça marche, parce que quand tu le fais bouillir, tu tues les micro-organismes. Mais si tu ne le fais pas bouillir, tu as ton bouillon, tu le gardes à l'air libre pendant une heure, tu le remets à congeler, tu le redécongèles, etc. Là, ça va poser problème. Surtout que, comme c'est dit dans l'exercice, la congélation a tendance à un peu casser les odeurs, donc tu ne te rends pas compte qu'il y a les micro-organismes, parce que l'odeur est développée grâce aux micro-organismes, ou à cause. Parce que les champs sont plus chers, très bien. C'était 3 points, là, l'hypothèse. Ouais, c'est ça, 3 points. Parce que les aliments sont congelés, et alors tu parles d'une explication. Ah ben, moi j'estime qu'à partir... Alors, ce sont des élèves, il faut le savoir, des élèves qui ont eu une vidéo qui présente le sujet de l'interro. Parce que les bactéries sont plus dangereuses. C'est-à-dire que j'aurais fait une vidéo, je leur ai donné le lien il y a 3 semaines pour leur dire, voilà, le 28, vous avez interro pendant une heure, et voilà l'interro. Et on a même passé la dernière heure, de mémoire, c'était lundi dernier, on a passé une heure ensemble à préparer le contrôle pour ceux qui voulaient. Je dis pour ceux qui voulaient parce qu'il n'y a pas d'obligation. 4, 5, 6, 7, 8 et demi. Et donc, pendant cette heure-là, ils peuvent me présenter des sujets qu'ils ont déjà faits, me poser des questions, ce qu'ils veulent. 8, 8, 16, moins 1. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir, est-ce que je l'ai là? Je regarde. Sur cette vidéo qui vous présente le sujet. Voilà. Donc, hop. Voilà, les élèves ont tous ça, par exemple. Merci, c'est gentil. Mais malgré ça, j'ai quand même des notes qui sont pas... Mais au moins, je me dis que si les notes sont pas fameuses, c'est pas... Il y a sûrement une partie de mes cours hein, qui passe comme ça, mais c'est pas que moi. Il y a quand même une partie de leur volonté à eux de ne pas l'avoir travaillé autant que possible. Alors, présentation déjà, excellent. En plus, elle a pensé à mettre la marge jusqu'au bout. Je me demande même si ça ne mérite pas un plus 0,5. Tiens, allez. Micro-organismes, être vivant, microscopique, très bien. Les deux critères, type de nourriture, sa qualité, et la quantité de quoi? Hein? Les trois utilités fabriquer, réparer, produire la graisse, donner l'énergie, excellent. Certains micro-organismes sont utiles pour la conservation des aliments, comme le yaourt. Pour point, les différentes sources sont animales, végétales et minérales. Voilà. 6 et 6, 10, 16, 19 et demi, voilà. Voilà, je sais qu'elle a bien préparé son contrôle. Merci, c'est gentil. Donc, le diabète de type 2 est provoqué par le surpoids. Alors, pareil, il faut citer le document. Il faut citer le document, mais la bonne réponse quand même. On va compter un demi-point de moins. On peut éviter en mangeant sainement 2 points. Très bien. Alors, attention, là, moins cher, sensible, tac. Attention, il faut le faire au crayon.
Donc ça fait 3,5. Je pense que la culture neuve se pratique dans les villes pauvres et que ça coûte moins cher. À développer quand même. Alors je sais pas s'il y a des gens que ça intéresse pas de réussir. Oui, elle est bien ma classe principale. Oui, elle est sympa, elle travaille bien. Elle est aussi bien que la 6e 5 l'année dernière. Bon, il y a quelques élèves qui sont un peu en difficulté, mais c'est normal, ça fait partie du métier. Et il y en a trois qui cassent les pieds à tout le monde et qu'ils ne comprennent pas. Il y en a un, il s'est fait convoquer chez le principal. Et l'autre, il est convoqué lundi chez le principal. Et l'autre, je pense qu'il va risquer de se faire virer. Donc, ma foi, qu'est-ce que je te dis après? Alors, les bactéries sont congelées, elles ne peuvent pas se multiplier. Oui. Recongeler un produit décongelé favorise la prolifération des bactéries. Celles-ci peuvent provoquer des intoxications alimentaires. Ah, alors c'est bien. Mais il fallait expliciter avec le document. Alors, voyons voir. Oh, combien ça peut... Ouais, quand même, il y a toutes les informations. Allez, 3,5 sur 5. Allez. Alors, ça nous fait 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10. Alors, 5, 8, 10, 16. Et demi, est-ce que je me suis pas trompé? 36, 37. Ah ben celle-là, elle a fait un super. Oui, c'est clair. Un de mes anciens élèves qui m'a marqué sur ma carrière. Oh, j'ai assez peu de mémoire, moi. Si, il y en a un qui m'avait traité de fils de pute, j'avais collé au mur, mais ça se fait pas. Mais j'étais jeune, j'étais énervé. Un élève qui m'a marqué de façon... Non, c'est plus des anecdotes que des trucs vraiment marquants. Si, alors ce qui m'a fait marrer, c'est qu'avec cette chaîne YouTube... Bonjour, Jade. Ce qui m'a fait marrer avec cette chaîne YouTube, c'est que de temps en temps, je retrouve d'anciens élèves qui sont toujours abonnés. Et quand il y a un live, il passe dire bonjour. J'en ai un, il fait des études sur comment transmettre l'électricité sans câble électrique. Ce qui nécessite un certain niveau d'études. C'est marrant à voir, quoi. Alors, c'est pas moi qui l'ai aidé, hein. Ah! Appel indésirable. Alors, je réponds pas. Alors, allez, on passe. Ah non, j'ai dit que je montrais la copie de Lina qui est restée là quand même. En plus, elle était vers le début, sa copie. Voyez, vous, je parle et après j'oublie des trucs. Voilà. Tiens, voilà ta copie. Très bien travaillé en leçon, bien travaillé en exercice. Et 29,5, alors qu'il manque des questions. T'imagines si un jour tu as le temps de tout faire. Tu pourras bien travailler. On voit que c'est du bleu, il y a ton nom dans ton truc. pas passé, Jade, il me semble. Alors, voyons voir combien d'élèves. 10, 9. Bon, il suffit de dire 10 pour qu'il y en ait 9. Eh, c'est une des classes qui est le plus. Mais je t'ai pas corrigé encore, si. Est-ce que je t'ai corrigé, fais voir. Ah, elle était malade, donc je vais pas y compter sa copie. Ah ouais, c'est marrant. Ah ben non, tiens, tu seras la prochaine. Hop là. Alors, micro-organisme, un être vivant.
tels que certains champignons et le levure, très bien. Pour être en bonne santé, il faut la qualité et la quantité de la nourriture. Ouf, heureusement qu'elle l'a dit, elle ou il? Elle. Son utilité donne de l'énergie, réparer et produire les parties du corps et la graisse. Il en manque une. Voilà. Si on peut dire que certains, parce qu'ils servent à conserver la nourriture, très bien. Animal, végétal, minéral. Excellent. Alors, 10, 18. Et ben voilà, bim. 18, présentation, un point. Alors, j'ai compté son demi-point. Du coup, je me demande, est-ce que j'ai pas... Eh non, j'ai oublié de compter son demi-point. 37 et demi. Alors, ce qui est un diabète principalement lié au mode de vie. Oui, c'est bien. On peut, en faisant une activité, en mangeant, très bien. Ah, il manque le titre. Et il manque le titre. Et il manque des cases. Quand on fait un tableau, il faut des cases. Oh là, si je recentre un peu, c'est mieux. Oui, si on est d'accord, c'est bizarre. Ramachasse plus simple, moins de place, terrain plus petit, pas de désertage. Mais non, ça, ça n'existe pas, c'est désherbage. Pollution de l'eau, plus la même saveur, végétaux consomment beaucoup d'énergie. Donc là, on est à 3 points, 3 points. Allez, 3 points et demi, puisque les cases à la limite. Et ah ouais, non, 3 points. Parce que normalement, on le fait au crayon, comme on l'a fait en classe. Si on utilise de l'hydroponique, c'est parce que cela pousse sans la terre. Être plus précis, si en période numéro 3 ça ne bouge pas, alors ça ne bouge plus, c'est mal dit, c'est parce que c'est resté en congélation. Et alors, il faut expliquer, même si je vois que c'est juste, c'est pas expliqué. Si c'est dangereux, c'est parce que à chaque fois que l'on recongèle et décongèle, il y a plus de bactéries, 4 fois plus de bactéries que d'habitude. Et en quoi les bactéries c'est dangereux? Alors c'est pas mal ça comme réponse, mais ça manque d'explication, donc toute l'idée est bonne, mais si on ne dit pas que les bactéries sont dangereuses, il manque quelque chose, il faut préciser que les bactéries sont dangereuses. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est pas mal quand même, 14, ouais, bah dites donc, alors ça fait 23, ça fait 33, la vache. C'est le meilleur résultat qu'elle a eu jusque-là, quand même, il me semble, de mémoire. Oui, alors effectivement, si Thomas il a fait la transmission d'un son par fibre optique, mais ça ne transmet pas un son, en fait. Il y a un convertisseur, quelque part. C'est-à-dire, le son est converti en lumière, la lumière passe dans la fibre optique, arrive de l'autre côté, il y a un convertisseur qui transforme la lumière en son. Enfin, je suppose. Je vérifie. 20... 32, 33. Excellent, bravo Léa, tiens, excellent. Alors, voyons voir, puisqu'elle est là, Inata. Et la présentation. Un point, puisque... Ah, elle n'a pas fait la marge jusqu'au bout, dommage. Vous voyez, quand je dis qu'il y a des copies, on sent que ça va bien se passer. Vous voyez, il y a des copies, on sent que ça va bien se passer. Alors, micro-organisme, être vivant moins que les bactéries, bim, 4 points. On se nourrit selon deux critères types de nourriture, la quantité de nourriture, 4 points. Les humains se nourrissent pour avoir de l'énergie, grandir, produire des réserves. Enfin, ils ne se nourrissent pas pour produire des réserves, hein, c'est un peu malheureux. Il y a des micro-organismes qui sont utiles pour le corps, par exemple, les yaourts forment la suite des bactéries. Dommage qu'elle n'ait pas mis le roquefort. Il y a des aliments d'origine animale, minérale et végétale. 3 points. Eh ben voilà, ça nous fait un 20 sur 20. C'est très bien. Qui est au mode de vie, c'est perte de poids, une activité, un truc. Dans la liste, alimentation, donc c'est lié à la nourriture. Ah voilà, ça c'est très bien. Elle a cité le document. Dans la liste, on parle de l'alimentation, donc c'est lié à la nourriture. Excellent. Nous devons manger équilibré pour faire du sport, pour ne pas attraper cette maladie. Donc, très bien. Les avantages et les inconvénients de la culture hydroponique. Le titre, il dépasse un peu. Non, d'ailleurs, on ne le voit pas sur le live. Hein, faites attention quand vous faites un titre.
Oh là là, et les cases. Et le crayon. 3 points du coup. Oh là là. Alors, on n'est pas obligé de faire des phrases. Hein. Moins sensible aux maladies, par exemple. Ça suffit. Puisque les cultures hydroponiques, on l'a déjà dit dans le titre. Donc, c'est l'avantage de mettre un titre, c'est qu'on n'est pas obligé de répéter qu'à chaque fois, c'est pour les cultures hydroponiques. Plus près, les cultures, moins chères, prennent moins de place, etc. Pollution, produits pas les mêmes saveurs, végétaux en cuisine, beaucoup d'énergie pour chauffer les serres. Bon. Les fraises et tomates ont besoin de consommation. Très bien, car on a laissé dans le frigo, donc les batteries s'endorment à cause du froid. C'est pas s'endorment. Il ne faut pas recongeler des aliments car c'est dangereux pour l'homme, car nous pouvons faire une intoxication alimentaire. Pourquoi il faut expliquer? Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et demi. 17 et demi ou 18 et demi? 18. Alors, je regarde. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je me suis trompé d'un demi-point. 18. Ce qui nous fait 39 sur 40. Oh! Bonjour! Si près et pourtant si loin. Allez, on offre le point bonus du sérieux de l'élève. Donc ça fait 40. Et donc, hop! Une Inata, je suppose. Eh, mais ça en fait deux du coup. Ah! Voilà! Voilà, voilà, voilà. Je pense que là, je vais gagner du temps. On vérifie à l'intérieur. Voilà. Un point. 0,1 sur 40. Je rappelle qu'il y avait quand même une définition. Et je l'ai mis tout seul devant pour qu'il puisse travailler tranquille. Ah. 38, je me suis trompé. Oh, oh, oh. Oui, 38. Plus le point de présentation, ça fait 39. Oui, oui, mais il y a le point de présentation. C'était l'idée de l'Exar, il me semble. Et ça marche bien, donc du coup, je l'ai gardé. Parce que du coup, ils font des efforts pour bien tracer la marge, bien pas éviter les ratures, etc. Donc, hop, du coup, comme ça marche, je garde. Après tout, hein. Hop, allez, on cache le nom. Voilà. Donc il reste deux copies. Hein. Il reste deux copies. Alors voyons voir. Micro-organismes, être vivant microscopique tels que des bactéries et virus. Très bien. Pour être en bonne santé, je dois être nourri selon deux critères, la nourriture, sa qualité, la quantité de nourriture. Excellent. Les utilités d'un corps humain, c'est fabriquer l'énergie, le glucose pour le cerveau, fabriquer et réparer le corps, stocker la graisse. Très bien. Mais il faut arrêter de chercher Berfine, la pauvre. Après, elle démarre au quart de tour, c'est pas gentil. Elle a 14 ans, il faut avoir pitié. Alors, les micro-organismes sont utiles pour les êtres humains car ils conservent les aliments, le fromage et le yaourt. Pour être plus précis, tu vois. Les différences sont animales, comme la viande gelée, les fruits et les légumes, minérales. Oh. Très bien, elle savait très bien son cours. Elle a 20 sur 20. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'elle a choisi là? Nezuko. On ne peut pas tous prendre le même. C'est pas fait encore? Alors. Ah, je vais repasser sur OBS, sinon j'ai pas de retour. Voilà. C'est le diabète car il est principalement au mode de vie. Le mode de vie, c'est la perte de poids nécessaire. Dans la liste, on parle d'alimentation, donc c'est lié à la même nourriture.
Très bien. Plus 1. On voit les élèves qui ont posé des questions avant pour le préparer. Pour éviter ce type de bête, il faut avoir une meilleure hygiène de vie, pratiquer des activités, manger équilibré. C'est excellent. Là, il manque le crayon. Elle a fait les cases, les inconvénients, c'est bon. 3,5 points. Je pense que la tomate et la fraise ont plus besoin qu'on s'occupe d'elles, donc on utilise la culture hydroponique. Excellent. Et effectivement, ce sont des cultures qui sont plus sensibles. Dans le texte, on nous explique que quand un aliment est congelé, les bactéries sont bloquées, alors bloquées entre guillemets, donc elles ne peuvent pas se multiplier et leur nombre reste constant. Très bien. Il est dangereux de recongeler ER, ben dis donc, un aliment décongelé, car la congélation ne tue pas les bactéries, très bien, mais elle les bloque. Donc une fois elle se multiplie, ça va provoquer une... Alors, il faut préciser, bactéries égale maladie possible. Il fallait le préciser. Alors, 10. Alors, 10, 15, 17, 18, 19. Alors, attendez. Alors, 5, 6, 19 et demi. Encore? Ça fait 3. Ils ont fait un concours ou quoi, cette classe? Allez, ça fait encore un truc à choisir. Et enfin, ma dernière copie. Je finis par l'élève qui n'écrit jamais et qui, cette fois, a fait de gros efforts. Et quand j'ai dit, c'est maman qui t'a obligé, elle m'a dit non, c'est moi qui ai décidé toute seule. Hein, et je gagne un demi-point parce qu'elle a fait la marge jusqu'au bout, elle a compris la consigne. Alors, être vivant microscopique tel que les virus, très bien. Les deux critères, selon lesquels les êtres humains doivent se nourrir, sont le type de nourriture, sa qualité, la quantité de nourriture. Alors, on met des petits tirés, c'est mieux. Virgule. 4 points. La nourriture sert à fabriquer, à réparer. À fabriquer, à réparer quoi? Et à produire de l'énergie et la graisse. Il manque. Ah oui, parce que fabriquer et réparer, c'est la même chose en fait. Voilà. Certains micro-organismes sont utiles à l'être humain, pas de S, pour conserver les aliments, comme les yaourts, il n'y a pas de E. 3 points. Les différentes origines avec un S sont l'origine animale, comme la viande et les œufs, virgule. L'origine végétale et l'huile est très bien. Alors, 6, 10, 19. C'est déjà pas mal. Alors là, pareil, il faut expliquer à partir du document. Et vous voyez que dans sa réponse, c'est écrit là, le diabète lié à la nourriture, c'est le diabète principalement lié au mode de vie, mais elle ne me cite pas le document. C'est dommage. Parce que c'est juste, hein, mais il n'y a pas le document. Avec l'hygiène de vie, perte de poids, machin, hein, les médicaments, ce n'est pas pour prévenir. Hein. Alors, avantage. Alors, on ne fait pas, on évite un tableau coupé sur 2 pages. Ça ne se fait pas. Oui, parce que regardez, son tableau, il commence ici et il finit là. Et il n'y a pas le titre. 3 points. Et c'est juste. Et il n'y a pas les cases non plus. Mais c'est bon. Elle a mis des points pour dire. Pour que ça pousse plus vite et parce qu'il y a des gens qui sont peut-être allergiques aux tomates et aux fraises. Et alors, 2 points. Parce que l'aliment est totalement congelé, donc le nombre de bactéries reste constant. Il peut être dangereux de recongeler un produit décongelé car la congélation ne tue pas les micro-organismes. Très bien. Elle les bloque. Mais ils peuvent recommencer à se multiplier une fois la congélation. Et le risque... Pareil, même chose, elle ne me parle pas d'intoxication alimentaire ni des bactéries qui font tomber malade. Alors, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et demi. Alors,
10, 15 et demi. C'est pas mal ça. C'est pas mal quand même. Alors ça nous fait 16, 17, 20, 35, 36. Ah ben voilà, ça c'est une bonne note. Voilà une note que mérite cet élève. Là on se rapproche plus de ce qu'elle peut faire. Ah ben ça fait plaisir. Limite, je ferai un message à sa mère pour lui dire « Voilà, elle a bien travaillé, regardez, n'hésitez pas, félicitez-la, elle a bien travaillé. » Ah, très bien. Eh bien, on finira sur cette copie qui est excellente, sachant que pour l'autre, c'est une élève qui était malade pendant qu'elle faisait le cours, la pauvre. Elle s'est assise par terre et tout, elle était mal. J'espère qu'elle se porte bien et qu'en ces périodes de maladie, elle n'a pas attrapé encore une cochonnerie. Bien, donc vous avez vu à peu près les copies de mes élèves. Et vous voyez que, comme d'habitude, j'ai pas beaucoup d'élèves moyens. J'ai des élèves très bons ou des élèves très mauvais. Sachant que dans les très mauvais, il y en a quand même un qui a eu que 1 sur 40. C'est-à-dire il a eu le point de présentation. Et encore, vu qu'il a écrit Joule, je ne sais pas s'il mérite le point de présentation. Mais bon, hein, ça reste encore très, très personnel comme jugement. Donc, si jamais vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire, c'était volontiers. Je vous remercie de m'avoir accompagné pendant cette séance de correction, sachant que j'ai encore deux autres paquets qui m'attendent, un de sixième et un de cinquième. On va un peu changer quand même et que je ferai ça sûrement ce week-end, parce que là, un paquet, ça dure, ça fait combien de temps que je diffuse? Ça fait 56 minutes, hein. Donc les élèves, quand eux, ils ont une heure de contrôle, moi j'ai une heure de travail en plus. Donc ça fait une heure à les surveiller et une heure à corriger. Et encore, très honnêtement, je remercie tout plein les élèves qui ne font même pas l'effort d'écrire. Alors c'est marrant, c'est que des fois, ils croient qu'ils m'embêtent quand ils font ça, mais en fait, finalement, des élèves qui écrivent rien, ça va toujours plus vite à corriger que des élèves qui font quelque chose. C'est triste pour leur moyenne, mais bon, c'est pas comme ça qu'ils m'ennuient. Vous avez vu que, on le voit ici, que la communication est beaucoup plus fluide avec la fibre. C'est pour ça que j'avais dit que je referai des lives quand j'aurai la fibre. Et vous remarquez que le son est d'une qualité extraordinaire avec la différence, j'y arriverai, la différence entre le côté gauche et le côté droit. Je pourrais quasiment faire de l'ASMR de correction, ça serait drôle. Mais bon, je ne suis pas là. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de week-end, un excellent week-end. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et encore bravo à tous mes élèves. Surtout, c'est ça, il ne faut pas donner de contrôle. Oui, mais si je ne donne pas de contrôle, je ne suis pas sûr qu'ils travaillent tous super sérieusement. Et puis, ça leur permet de gagner des cadeaux. D'ailleurs, ceux qui ont gagné, il ne faut pas qu'ils hésitent à m'envoyer un petit message sur Pronote pour me dire ce qu'ils veulent. Comme ça, ils l'auront la semaine prochaine. Voilà, au revoir et à bientôt tous. Ah, puis j'aime bien corriger mes contrôles quand même. Ça me permet de voir si j'ai bien bossé. Allez, au revoir.